Hello, hello la famille, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo routine ménage de printemps. Là, je fais le ménage dans ma chambre. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Alors, premièrement, j'enlève ma couette et ma housse parce que cette couette, c'est ma couette d'hiver. Elle est assez lourde, donc je vais l'envoyer pour laver. Donc là, j'enlève avec la couette, la housse en même temps et je prendrai le temps calmement de les séparer. Je commence d'abord à ranger 2-3 choses et ensuite j'enchaîne avec la poussière et après je fais tous les restes. La poussière sur mes fausses fleurs, j'utilise les sèche-cheveux. S'enlève bien la poussière, après c'est nickel. Normalement, pour nettoyer mes commodes, j'utilise des lingettes multi-usage. Et là, malheureusement, j'en ai plus. Du coup, j'utilise un peu l'eau savonnée. Mais je sors très bien le chiffon pour pas que ça soit très mouillé. Étant donné que c'est du bois, il faut pas que le bois soit trop mouillé.
Et malheureusement, dès que j'avais commencé à nettoyer mes fenêtres, j'avais plus de batterie. Et du coup, j'ai pas pu filmer cette partie-là. Mais de toute manière, c'est la même chose de ce que j'ai déjà fait dans mon coin salle à manger. Je nettoie mes fenêtres partout de la même manière. Donc de toute façon, c'est pas si grave que ça. Vous avez déjà vu ma manière de nettoyer mes fenêtres. Donc voilà. Là, je vais changer mes rideaux juste pour rafraîchir un petit peu la pièce, rafraîchir ma chambre un petit peu. Et les autres rideaux, je dois les envoyer pour laver également avec ma couette. Donc voilà.
Voilà, voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et sinon, je vous dis à très bientôt. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous prépare la déco de printemps. Oui, ça va arriver très prochainement. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.